Eh bien, salut tout le monde, c'est Geekenfly, je vous retrouve sur Postal 2. Postal 2, qu'est-ce? C'est un jeu où nous devons faire des activités, mais bon, enfin des activités. Comment dire, aller chercher son chèque, prendre du lait, encaisser son chèque. Mais on fait pas d'une façon très... Ta gueule, laisse-moi parler toi. D'une façon très... très catholique, si je puis dire. Bref, c'est un jeu où on s'amuse, quoi. Un vrai jeu, quoi. Par exemple, je sais pas, vous voyez cette dame-là? Sa tête me revient pas. Il y a un moyen de régler ça. Voilà. Et si après encore je m'ennuie, eh ben je peux jouer au hockey. Vous avez soif, monsieur? Pas de problème. Bon, ça c'est un peu dégueulasse, on va arrêter ça vite fait. Nous ne sommes pas catophiles ici. Tu veux jouer? Tiens. J'ai les balancés là. Bonne chance pour survivre, mec. Bon, attendez, je vais un peu baisser le son parce que je le trouve un peu fort. Moi, je m'entends pas parler. Désolé si vous, vous l'entendez à peine, parce que franchement, moi, ça me... Moi, ça me dérange beaucoup. Voilà. Il fuit. Ok. Petite bite, va. Alors. Me fais pas chier. Voilà. Ah, tiens, il avait de l'argent. Bon, on va faire le gentil. You have milk. Ok. Oh, j'adore la musique de fond. Did someone slaughter a goat in here? No, seriously, I wanna know. Et voilà, j'ai réussi à avoir du lait. Quel skill quand même, hein. Je commence à me demander si je vais le payer, quoi. 5$, c'est quand même assez cher. Ouais. En plus, il y a la queue. Oh tiens, là-bas, il y a... Oups. Pas moi, c'est pas vrai. Oh, c'est quoi ce truc de chez Ikea, là? Me pique pas à ma place, toi, hein. Pas vrai. Yo. J'ai du lait. Bon bah ok hein. Si tu veux pas. Hello and what do you want? Hi there. This is not a standard on looking place. That'll be $5. Fucking kidding. Ah, c'est pas ça. Je sais pas ce que j'ai fait mais bon. Moi franchement, je sais pas vous, mais j'ai pas trop envie de payer pour du lait quoi. Oups, double oups, triple oups. Bon ok. Oui. Maintenant on se casse. On va aller là, tiens. Ouais. What the fuck. Dégage. Pour ceux qui se posent la question, je joue en mode libre mode et je me suis foutu en mode munitions illimitées et vie limitée, hein, histoire que ce soit une vraie vidéo des... La gueule. Tu me laisses parler. Que ce soit une vraie vidéo détente. Là par contre, on se rend compte que c'est pas une épicerie vraiment comme les autres, hein. Je sais pas si vous avez ça dans votre épicerie, mais bon. Franchement, moi j'ai jamais vu de toilette dans les épiceries. Non, bon, sans déconner. Oh. Oh, tiens, des donuts, c'est toujours intéressant.
Par contre, je crois que je me suis trompé de bouton tout à l'heure et maintenant vous voyez le frappe sur le côté. Désolé, je m'en excuse. Tiens, ça par contre, ça c'est une épicerie que j'aime. Voilà, ça je le dis. Alors voici à quoi ressemble notre magnifique héros. Non. On peut voir ça. Non, je déconne. C'est qui ou tu m'as fait peur ça. Oh mais oh. Tiens, ça c'est notre épicier. Je me demande ce qu'il y a dans cette armoire. Ah bah. Bon bah on va dire que hein. En fait c'était plutôt bénéfique. Bon là on voit Ganesh. Ce sont apparemment les Indiens. Bon maintenant on va sortir d'ici hein. Ah, une particularité du jeu, vous pouvez vous battre avec des ciseaux, comme ça. Voilà. moi franchement ça me fait rire, tuer des gens avec des ciseaux quoi. Non, c'est qui le développeur qui a trouvé ça? Je veux un livre. Un livre. Bonjour monsieur. Non, 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 attendez, je veux savoir si vous avez être sans destin. Eh oh, mais reviens. Reviens. Oh, reviens. 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 Maintenant il peut plus répondre. Putain. C'est quoi ces conseillers de merde? Oui monsieur. Vous avez un livre? Non. Ah, dommage. Bon bah apparemment ils ont pas le livre que je cherche. Dis monsieur. Monsieur. Te barre pas à Moonwalk, ça sert à rien, je te vois. T'as pas le livre. Non? Non? T'es sûr? T'as pas le livre? T'as pas le livre? Non, il l'a pas. Ah monsieur le nain! Monsieur le nain! Oula. Oups. Attendez, attendez, je vais vous humidifier un peu. Mais arrête-toi, toi. Ouais. Ah, c'est pas bon, hein. T'apprendras à me taper. Mais je vous aide et vous me tapez dessus. N'importe quoi, hein. Mais c'est n'importe quoi, l'autre zone, rien à foutre. Je suis un rebelle, moi. I'm a fucking rebel. Qu'est-ce que je dois faire après ça? Je dois aller chercher mon chèque, évidemment. Je me demande où il est. Mon dieu, un chien. D'accord. Oh. Bim. Bon, on va passer avec une arme un peu plus drôle maintenant. Parce que le chat, tu me grognes un peu. Ok, ok, ok. T'apprendre à respecter tes maîtres. C'est bon, c'est qu'un chien. Tiens, je me demande ce qu'il y a dans cette maison. Je sais pas vous, mais moi j'ai un peu chaud. Je vais ouvrir la fenêtre. Hein? Je suis zizi, tout nu. Non, c'est bon. Je me demande si on peut prendre une arme après. Ah non, ça rezipe le truc directement. Ah, ce serait marrant de prendre une arme, la bite à l'air, tranquille. Tiens, je me demande c'est quoi ça. Ça a l'air d'être un résidu atomique qui fait tout exploser. Tu fais quoi toi? Ouais, mais on dérange pas mon chemin quoi. Non, faut avouer que celle-ci elle est plus drôle. Ça, en plus, ça fait du feu. Et alors? Hop là, fais un peu chaud. C'est qui essaye de me taser depuis tout à l'heure? Ah, cours pas vers moi toi, espèce d'abruti. Bon, tu te sens mieux? Tiens. T'as un newspaper, je crois. Attends, j'ai des journaux quoi. Un jeu vidéo créé pour en tant qu'entraînement pour devenir un pauvre. Un pauvre sans maison. Bref, c'est le genre d'humour qu'il y a dans Postal.
Hein, je vous le dis tout de suite. Le 3 qui est sorti d'ailleurs récemment, que je vous ferai peut-être... Hein, oh putain, ils avaient raison. Oui. En gros, ils disaient le panneau « Faites attention au chien » n'est pas là par hasard. Hein. Je peux casser cette vitre? Non, je peux pas. Mais putain... Tu vas arrêter de me taser, toi. Bonjour, monsieur. Ça va bien aujourd'hui? Je viens juste prendre votre Kevlar. Et nécessairement, peut-être les choses que vous avez chez vous. Comme votre argent. Ou vos donettes. Oh, je suis trop fort, en plus, il y en a. Et cassez vos vitres aussi. Oh, ah, elle est belle cette voiture, j'aimerais bien la faire exploser. Voilà. ça en a ouvert les chutes, dis donc. Donc que ce soit quelqu'un qui a eu peur, qui ait pris peur. On va ranger notre arme quand même. Hein. C'est mieux de prendre notre bite. Oula, attendez. Ah non, je dois avoir vu autre chose là-dedans. Bonjour monsieur. Il speep for soul. Ah, elle t'impressionne pas? Tu la vends? Ou je peux la prendre? Tiens, tu veux la prendre celle-là? Bon d'accord, je vais arrêter cette humour complètement dégueulasse. Oh, quel... que c'est beau! J'aimerais bien trouver un chat. Une fois que j'en aurai trouvé un, vous allez vite comprendre pourquoi. Ah, c'est bête, ça t'est bloqué. Oh, ça doit faire mal. Et bon, comme je suis poli, je te propose de passer un bonjour quand même. D'accord, j'arrête. Pourquoi je ferais ça? Tu me fais peur, mec. Bref. T'as une tête de cul, toi. Ah, voilà, la banque. Bon, par contre, je te préviens. Toi, si tu me tases, je vais t'arrêter tout de suite. Oups. Voyons voir. Oui, j'ai fait le plein, je vous rassure. Cocktail Molotov, ceci est intéressant. Désolé, je bois un peu parce que après ça fait mal à la gorge de commenter ce qu'on est en train de faire. Tiens, ceci ressemble vachement à un dépôt nucléaire. Oups, réflexe. Ninja ou pas. Quelqu'un qui essaie de me taser ou je suis fou? J'entends des petits bruits d'électricité, moi je dois être devenu malade. Alors c'est une façon comme une autre d'entrer dans sa banque. Ah mais franchement il y a du monde là. Hein? De quoi? Non mais non! 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 Non. Ah, mon dieu, je me fais courser. Oh tiens, des biscuits. C'est bon, je suis caché. Ils m'ont pas vu. Chut. Oups. C'est con, hein, quand on n'est pas intelligent. Hein. Vite, faut que je m'enfuise. Oh, j'étais pas au courant de cet endroit, moi. Mission accomplished with extreme prejudice. Oups. Je crois qu'il y a un petit problème là.
un petit. Oup. On va prendre le fusil à pompe. Et ils sont résistants les couillons. Ok, vous avez voulu jouer, moi il y en a marre. Bim. Ménage général. Il y en aura pour tout le monde. Oh oui. Tu peux pas sortir par là, c'est bon. Oh, oh, oh. C'était joli, éclat de vitre. Oh, c'est bon. Oh là là. C'est pas comme si j'avais fait... Quoique si, c'est un peu dégueulasse ce que je viens de faire. Mais bon. Police Station. Oh, je sais pas, ça m'a l'air intéressant. On peut pas passer par là? Non, dommage. Qui est-ce qui essaye de me taser encore? Je sais pas, mais moi je l'attends. Alors. Oups. Désolé, pas fait exprès. Vraiment pas. Ouais, oui, t'inquiète pas. J'essayerai. Beware of Doug. Celui-là, là-bas. Ton chien, il est pas très résistant. Hein. Je veux pas dire, mais... Un coup de bazooka et hop, il est fini. Hein. Bon, moi, je veux... Je veux trouver mon chèque, en fait. Je sais pas où je l'ai mis. Et j'aimerais bien savoir... Parce que, franchement, ça me pose problème, là. De quoi drop it Tu m'as pris pour ton chien toi. Mais oh. Parle pas comme ça moi. Oups, 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 oups. Voilà. J'ai surtout envie de voir la... Quoi? Oh non, 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 non. Ah non. Merde quoi. Bon bah. Je me suis trompé, désolé. Bon, bon, on va pas regarder la map, on va y aller à la one again, hein. C'est bien ce que ça veut dire. Hein. Et pour une seconde fois, j'ai fait le boulet. J'ai entendu dire que fumer, ça faisait du bien, mais que... Ouais. Allez, pick me, voilà. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, le meilleur moyen de sortir d'ici, c'est de prendre... voilà, ces petits trucs qui sont assez magiques. Et qui vont faire sonner l'alarme incendie. Ça s'appelle des allumettes. Oui. Encore faut-il savoir viser. Voilà. Et là, la porte va s'ouvrir, comme c'est marqué ici. Et bon, on cache les... Oups. On cache les allumettes, hein. J'ai fait quoi, là? C'est quoi, cette arnaque? Bon, allez. Bon, d'accord. Je suis sorti sans en y avoir été autorisé. Mais bon, on s'en fout, ça, non? Non, on s'en fout pas? Oh, c'est con. Et moi, je m'en fous. Je me casse. Ten still to be cuffed. Ouais, mon cul, ouais. Désolé, mais... Ils vont perdre de vue. Toum. Toum. Oh,
Alors ici c'est votre stuff tout simplement. Par contre remis à des doses à peu près logiques. Donc anti-moutéquisme aigu. Je... En gros là je vous explique, j'ai fumé j'ai fumé de l'herbe à chat et du coup le monde va au ralenti pour moi, c'est c'est cool hein, c'est yeah man. Bref. Et ça dure pendant un petit laps de temps. On va arranger ça. Non, m'en fous en fait de chez toi, j'ai pas envie d'une chambre d'hôtel. Par contre, je casserais bien les... Non, il dit que je casserais bien les fenêtres. Vanda la vie. Et en gros, le keuf pourra pas m'arrêter. Parce que je suis super rapide. Alors maintenant... Je vais parler pour les gens qui aiment les donuts. Franchement. Beaucoup de gens aiment ça, les donuts. Hein. Ça, je le sais très bien. Hein. Oups. Et là, quand même, c'est beau, quoi. Hein. Regardez-moi tous ces donuts. Oh. Mmh. Oups. Ta gueule, toi. Mais oh. Tu vas te taire, oui. Quoi? J'ai pas fait de meurtre. Au revoir. Vite. Faut se barrer. Oh, oh, oh. Ce que je t'ai mis dans le dos. Oups. Ça c'est pour les gens qui me poursuivent. Tiens, j'entends un chien. Dégage de là, le chien. Ok, je vais te faire une mort rapide. Ah, c'est beau le feu. Ça permet de faire plein de choses. Le feu c'est la vie, le feu c'est l'espoir. J'ai raté mon coup. J'ai voulu faire le Yamakasi. Faire gaffe de pas boire la... l'huile. Où est-ce que je dois aller maintenant? On va éviter que les gens me poursuivent avec ça. Oh merde. Oui oui, je murine dessus pour enlever le feu. Oui oui, bah ça me paraît logique hein. Désolé. Tu fais quoi toi, espèce de vandale? Non mais oh, on pique pas les objets au sol, n'importe quoi. Oh oh, c'est sympa la déco. Librairie, paradismal, Kumprud, cherche cimetière, ok. On va aller par là, je crois que c'est par là. C'est peut-être une bêtise encore une fois. Par ici on a la banque. Non, j'y suis déjà y allé. Donc je pense pas que ce soit par là. Désolé petit Freeze. Tiens. Cadeau. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a ma démarche? C'est bon, tout le monde marche comme ça maintenant, c'est la mode de pisser partout. Oh là là. Oh c'est ça. Non, par là-bas j'y suis déjà allé, tiens. Tiens, bois un coup toi. Par là-bas ça mène à où? C'est une bonne question dont je n'ai pas la réponse. Je veux pas dire, mais il peut pisser quand même super longtemps. Hein. Ici, ça mène à la maison. J'ai une bonne nouvelle, les gens, on est paumés. Quelqu'un peut m'aider? Dis, toi là. Tu peux m'aider? Je sais que tu l'as déjà goûté, en plus. Tiens, il y a ta tête qui est déjà pré-cassée, c'est marrant. On va l'aider un petit peu à se casser. Ah bah voilà. Je me demande si je peux casser la vitre avec.
Il dit, je me demande si je peux te casser la vitre avec. Non, on peut pas. Oups là. Je suis caché tellement ninja. C'est pour ça que l'autre là-bas ne m'a pas vu. Oui. Voilà. Non, non, mais vous inquiétez pas, je vais juste montrer la grandeur. Il s'est chié dessus, il s'est dit, je suis une vraie... Ouais, c'est ça, tu me fais peur. Bah oui, plus... Ah, mais où c'est? Attends, Factory. Peut-être là où je travaille, en fait. Donc on va aller par là. Stop or I shoot. Je m'en contrefous, qui shoot. Tiens, une pipe. Bonjour. Oh purée, je suis paumé comme un porc. Aïe! Pardon. Oh ta bouche, s'il te plaît. Tu vas la faire... J'ai rien dit, t'es chum en fait. Je suis paumé. Dis toi, tu connaîtrais pas le chemin. Toi tu vois. Bon, toi si tu me fais chier, je vais régler ton problème bien vite. Dis toi le gros là. Montre-moi le chemin. Voilà, en courant c'est plus rapide. Par contre, faudrait que tu cours un peu plus vite, hein. Bon, d'accord. Là, je vais m'amuser. Tiens. Tiens. Toi, là. Je lui ai donné un coup de tel un ninja, comme ça. Bim. Non. Je sais pas où je dois aller. Ah, peut-être que c'est... Oh non, 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 mais quel... Pff. Bonjour le chat. J'oublie toujours à quoi sert cette touche et je m'en rappelle à chaque fois avec des agréments. Bon. Alors, ici, vous voyez, on a un chat. Ah, zut. J'ai pas réussi à le Splinter Cell. C'est pas ici que je dois prendre mon je sais pas trop quoi, là. Oh tiens, un shotgun, bah tout va bien. Bon, je dis ça, il n'y a plus de vitres aussi, hein, accessoirement. Bonjour. De quoi, Lookout? T'es sérieux, toi? Je vais te démonter. Non, non, on va rien dire, en fait. Hein. Pour une fois, je suis à peu près pas du tout légal, en fait, j'ai rien dit. Je suis jamais légal, moi. L'égalité. L'illégalité. L'illégalité, c'est bien. Idiot, t'es sérieux toi? Je t'apprends dans le respect. Tu vas faire quoi? Tu me fais trop peur. Voilà. Genre. Et cours, 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 cours. Plus vite. Et là c'est ici qu'on voit le second degré du studio quand même. Running with Scissors. C'est les créateurs du jeu. Bah ça c'est des gens qui protestent contre le jeu vidéo. En disant le jeu vidéo c'est mal, ça vous rend méchant. Hop. Est-ce que j'ai quelque chose à faire ici, moi, déjà? Hop. Je crois qu'on peut voir que les locaux sont plutôt moches, en fait.
Non, non, on va pas. On va déconner. Ouais, ça, tu peux le dire. Casse-toi. Apparemment, ils ont l'air de me connaître. Donc, on va rentrer là-dedans. Ah bah voilà, j'ai trouvé mon chèque. Il est bel et bien temps de rentrer à la maison. Mais là, les protestants qui trouvent qu'il ne faut pas être méchant deviennent des gens armés. Et veulent tous nous buter. Donc je pense que si on veut survivre au taser, on va les purifier un peu avec le feu. Hein. Bon. Bonjour madame. Bon barbecue. Vous avez un peu froid? J'ai une solution. Par contre, on va partir d'une autre sortie quand même parce que là c'est dangereux. Voilà. Mon dieu, il y a des PC partout. PC. PC. Non, je déconne. Ici, il y a une plante. Mais on s'en fout complètement, en fait. Entre nous. Le chat ouvert la porte. D'accord. Ce chat, je lui dis respect, franchement. Parce que moi, j'arrive pas à ouvrir les portes. Hein. Bonjour madame. Ouais, tiens, c'est comme ça que je me vois moi. Bravo. Oh. Voilà, on a vite fait de régler ce problème. Oh. Voilà, là c'est beau. Je vois pas l'utilité de cet endroit. On va qu'on puisse faire ça. Allez là, et non on peut pas. C'est pas moi le responsable. Promis. Tu vas me parler autrement toi. Voilà. Comme ça que j'ai appris le respect à mes gosses. Moi j'ai conne. Si tu l'ouvres une seule fois, je te crame, ok? Oui, papa. Et bien, voilà. Voilà, on s'en est sorti. Je me demande ce que va dire madame après ça. Et bien voilà, je vais vous laisser là-dessus les gens. Hein. Et je vous dis à plus tout le monde. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et de vous abonner si vous ne voulez pas rater la prochaine. Sur ce, à plus tout le monde.